pourquoi tu dois écouter. Parce que la parole de ce soir doit te bénir. La parole de ce soir doit ouvrir les écluses des cieux. La parole de ce soir, tout ce qui était mort dans ta vie, doit commencer à prendre vie. Doit commencer à prendre vie. Parce que la Bible déclare, il envoie sa parole et c'est la parole qui l'est. Au nom de Jésus-Christ. Oh, tu n'as rien dit. C'est Abana Bakam. Amen. Jean 11, 1 à 44, nous lisons au nom de Jésus. Amen. 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 Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes, est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Alors donc qu'il lui apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Amen. Amen. Nous allons prendre étape par étape. Hein? Amen. Pour comprendre. Alléluia. Amen. Élève tes mains, Dieu, au Saint-Esprit. Je mérite d'écouter maintenant. Parle-moi. Esprit de Dieu, viens. Non, la prière, c'est parler avec Dieu. Nous sommes des vivants, moi je ne t'entends pas. Seigneur, le moment est arrivé, parle-moi Jésus. Parle-moi Seigneur Dieu d'Israël. Parle-moi Seigneur, je veux t'écouter l'homme de Galilée ce soir. Ouvre-moi l'entendement spirituel Seigneur, je veux t'écouter Yahweh. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Alors c'était une famille. Amen. Vous savez, dans des familles, on a des amis de famille. Alléluia. Amen. Vous êtes une famille, vous avez une personne qui est amie de votre famille. Jésus était ami de la famille de Lazare. Alléluia. Cette famille était composée de 2 sœurs, Marie et Marthe, avec leur frère Lazare. Un amen et bien. Amen. Alléluia. C'est Marie dont le Seigneur avait délivré de 7 démons, celui qui avait lavé les pieds de Jésus avec le parfum de haute carne là. Amen. Alléluia. Amen. Alors Jésus était de leur famille. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Alors eux, ils n'avaient que pour source de protection, de puissance, de guérison, c'était que Jésus. Amen. Leur ami. Amen. Un amen est bien. Amen. Alors quand Lazare a commencé la maladie, alléluia. Les sœurs ont dit, on appelle son ami. Oh. Amen, amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que Lazare était l'ami de Jésus. Ils ont dit, non, on l'appelle. Alléluia. Amen. Ils ont appelé Jésus. Jésus, il est en train de faire sa campagne d'évangélisation. Jésus n'est pas venu. Alléluia. Amen. Alléluia. Ils ont encore envoyé. Alléluia. Amen. À la grande surprise, la personne que nous mettons, nous, on dit, c'est l'élément circulatif, c'est-à-dire l'élément où tu espères. Alléluia. Amen. Chez les païens, on dit, c'est mon pion. Mais, il ne disait mot, il ne vient pas. Lazare, la maladie commençait à venir, commençait à monter. Alléluia. Lazare était pour lui. Le Seigneur Jésus-Christ était pour lui là-bas. Alléluia. Il a continué sa tournée. C'est ça le langage de Dieu. Amen. Un amen est bien. Amen. Il n'a pas dit je viens. Il n'a pas dit bon ça ira. Il est resté là-bas. Aujourd'hui nous avons des problèmes. Alléluia. Amen. Tu pries. Tu rentres en jeu. Jésus. Alléluia. Devant même la révélation, il n'y en a pas. Tu es en train de te dire mais je me suis trompé. Ou bien je ne prie pas assez. En ce net moment là, tu deviens. La culpabilité commence à... C'est sûr que c'est les origines. Alléluia. Amen.
Le langage de Dieu, le silence de Dieu devant un problème, je vous dis, c'est pas facile aux yeux des hommes. Il y a quelqu'un ici qui est en train de se poser la question. Est-ce que je prie? Est-ce qu'il voit mes dîmes? Est-ce qu'il voit mes offrandes? Mais pourquoi je suis dans cette situation? J'aimerais te dire, le silence là ne veut absolument rien dire. Le silence de Dieu, c'est pas qu'il est absent. Non. Le silence de Dieu, c'est qu'il veut t'amener quelque part. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux lire. Lors donc qu'il a appris que Lazare était malade, il y resta encore des jours. Et dis à la personne qui est à côté de toi, encore des jours. Alléluia. Aux yeux des hommes, c'est difficile. Encore des jours. Quand on est dans le problème, hein, des jours, c'est beaucoup. Alléluia. Un amen est bien. Alléluia. Alléluia. Mais lui, en ce moment-là, il était pour lui calme, Jésus. Personne ne peut comprendre. Il y a des gens qui sont en train de pleurer ici dans la salle. Est-ce que le Seigneur est en train de m'écouter? Ouais. C'est pas ce moment de silence-là que beaucoup perdent la foi. Alléluia. C'est pas ce moment de silence-là que c'est beaucoup s'agitent. Et si je parle à quelqu'un, c'est que beaucoup aussi s'attristent. Beaucoup aussi rentrent dans le murmure. Beaucoup se sentent rejetés. Mais est-ce que mon cas, c'est sûr qu'il ne m'a pas pardonné? Non, il t'a pardonné. Amen. Aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi son silence. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Jésus. Nous allons continuer à lire. Les disciples lui disent, Rabbi, les Juifs, tout récemment, cherchaient à te lapider. Et tu retournes en Judée. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne branche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il branche parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, notre ami Lazare dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alléluia. Le verset clé ici, c'est le verset 4. Écoutez bien. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie, cette situation, cette stérilité, ces problèmes n'est pas pour t'amener à la mort. Alléluia. Mais elle est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Alléluia. Alléluia. Amen. J'aimerais te dire aujourd'hui, Jésus pour sa gloire, hein, il ne donne pas sa gloire à quelqu'un. Jésus. Pour sa gloire, il se tait. Il est en train de tes larmes ne vont pas arrêter la gloire de Dieu. Alléluia. Tes larmes ne changeraient pas la gloire de Jésus. Dieu. Tes inquiétudes ne vont pas changer sa gloire. Jésus. Pour sa gloire, même si tu pleures. Jésus. Pour sa gloire, même si tu roules par terre. Jésus. Même si tu vis sec, tu fais fête un jour à sec. Mais si c'est pour sa gloire, alléluia. Il attendra le temps de sa gloire. Alléluia. Il va se taire. Alléluia. Il va attendre le temps de sa gloire. Alléluia. Oh, tu n'as pas acclamé Jésus. Alléluia. Alléluia. Je crois que tu ne m'as pas compris. Jésus. Alléluia. Jésus ne peut pas changer sa gloire. Jésus. Parce que Lazare est mort. Ah. Jésus, il sait, alléluia, même dans la mort, lui, il est capable. Alléluia. Il ne peut pas arrêter. Alléluia. Il ne peut pas arrêter. Jésus. Il ne peut pas s'agiter. Amen. 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 Quand tu ne comprends pas les choses, tu dis, mais que moi, les... Jésus. Mais depuis là, Jésus, ma sœur, le Seigneur te dit aujourd'hui, alléluia, c'est pour sa gloire. Alléluia. Il ne peut pas donner sa gloire à quelqu'un. Alléluia. Il ne peut pas donner sa gloire à tes inquiétudes. Alléluia. Il ne peut pas donner sa gloire, amen, aux agitations. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il est calme, il sait. Alléluia. Alléluia. Amen. En ce moment-là, c'est une période. Alléluia. Où beaucoup de gens tombent dans le murmure. Où beaucoup de... Dieu pour sa gloire. Que Lazare meure. Qu'il pourrisse là-bas. Qu'il y ait des articots. Que ton problème puisse pourrir. Que ton problème puisse être tiré 20 ans. Mais lui, il sait. Alléluia. À
gloire. Pour sa gloire. Il ne peut pas arrêter parce que tu pleures. Il ne peut pas arrêter parce que tu as donné l'argent. On t'en fout de sa gloire. C'est à ce moment-là que la chose va s'accomplir pour la gloire de Dieu. Tu dois grandir. Les disciples ont dit, mais Seigneur, mais Lazare est mort. Lui, il a dit, la maladie de Lazare, là, c'est pour ma gloire. Donc Lazare devait mourir. Lazare devait pourrir. Lazare devait aller au tombeau. Lazare, on devait finir avec lui. L'histoire de Lazare devait finir. Et Jésus-Christ apparaît. Elle amène bien. Le regard des gens, ce n'est pas ton problème. Le regard des gens, tu me dis, il est aussi. Aux yeux, regarde. En ce moment-là, alléluia. Les célibataires. Alléluia. Ils commencent à dire, mais les cheveux blancs aussi commencent à venir, non? Si c'est pour la gloire de Dieu, que les cheveux blancs poussent. Alléluia. Parce que c'est lui le maître des cheveux. Il sait comment les noircir. Pour la stérilité, mais la ménopause, non? Mais la ménopause va arriver. Mais non! Si c'est pour la gloire de Dieu que tu tombes enceinte, au temps de la ménopause, le bébé va attendre. Et si je parle à quelqu'un, moi je crois que tu ne me comprends pas. Si tu me comprends, rabâchons dans le courrier de la Sata, dis alléluia. Que les regards des gens ne te trompent pas. Alléluia. Alléluia. Un amen est bien. Cette femme l'a dit, mais Seigneur, il faut, la femme qui n'a jamais tombé enceinte, dit, mais Seigneur, tu vois pas que l'âge avance, qu'à 45 ans, les règles vont partir. Le Seigneur a dit, mais ma gloire, que tu accouches, que tu accouches dans la ménopause. Les gens sont, mais il a grandi, mais pourquoi c'est que moi la question ne marche pas? Mais il est devenu déjà grand, mais si c'est pour la gloire de Dieu, le moment viendra où la gloire va se poser sur. Si je parle à quelqu'un, alléluia. Wapio Zambe, Yakondima Nanga, où es-tu, Seigneur, le Dieu de ma foi? En ce moment-là, la foi est mise en épreuve. La foi est mise en épreuve. Tu regardes ta vie, mais tu dis, mais la personne qui est malade commence à se dire, mais tous les organes sont détériorés. Mais le cancer à question, ça fait les métastases. Mais les métastases, on paye au nom de Jésus. Les métastases, attends. Alléluia. Elle amène bien. Amen. Elle amène bien. Amen. Alléluia. Amen. Je ne peux pas m'agiter. Alléluia. Si mon problème est là, si ce que je vis là, c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il y aura un jour de la gloire. Alléluia. Il y a un jour pour la gloire. Alléluia. Il y a un jour pour la gloire pour Alléluia. Moi. Le regard des gens est aligaté. Le regard des gens, je ne suis pas là. Ce que les gens disent, je ne suis pas là. C'est-à-dire les juges du monde, Jésus. Ils commencent à juger ton problème. Jésus. Mais tu ne vois pas, il faut quand même quitter Grenoble. Quitter toi-même, tu as quitté Grenoble. Mm. Tu dis aux gens, quitte Grenoble. Toi, tu ne quittes pas pourquoi? Jésus. Eh bien, il faut quand même quitter, hein? Quitter pour aller où? Le Dieu qu'on invoque ici à Grenoble, c'est pas le Dieu qu'on invoque là-bas? Alléluia. Un amen est bien. Amen. Je sais à qui j'ai cru. Alléluia. Moi. Je connais ce Dieu-là. Un jour, j'ai vu mon enfant mort. Il me l'a ressuscité. Alléluia. J'ai vu des choses. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Mon mari, là, j'étais en train d'avancer. Et on a affecté, on a annulé. On a affecté, on a annulé. Moi, quand je priais, le Seigneur me montrait la carte de la France. Alléluia. Un amen et pied. Amen. Alléluia. Amen. 55 ans, on a annulé. 56 ans, on a annulé. Jesus. 57 ans, on a annulé. Alléluia. Amen. Nous, on était là. Si, alléluia. À 55 ans, on nous a envoyé à Bangui. Je ne sais pas, on a nous envoyé dans le pays là-bas. Alléluia.
Est-ce que sa gloire devait s'éclater à Grenoble si j'étais à Bangui? Jésus. Nous, on était calmes. Alléluia. 58 ans arrivés, les gens vont dire, mais oh, mais pourquoi? Mais à quel moment il va partir? Mais c'est la retraite. Papa, toi qui es à la retraite, maman, c'est pas le problème de Dieu. Alléluia. Le problème de Dieu, même dans la retraite, tu vas voir sa gloire. Alléluia. Même dans la retraite, tu vas voir la gloire de Dieu. Mais papa, Alléluia. Alléluia. Amen. 58 ans arrive. On nous a fait à Bruxelles. Elle amène bien. Amen. Parce que Dieu avait sa gloire quelque part. Alléluia. Vous qui êtes pressés, nous on a attendu la gloire de Dieu. Alléluia. 20 ans. Depuis le jour où nous avons quitté l'Allemagne. 20 ans. On était là. Aucun jour, on a fait les bébés. Aucun jour, sous le, Alléluia. On était là, au pied des mamans. On était là, au pied de nos responsables de Brazza. On était là, fidèles. Nous, à Brazza, on a laissé les empreintes. Amen, amen. Nous sommes les modèles. Alléluia. Les modèles pour chercher Dieu. Amen. Les modèles pour marcher avec Dieu. Les modèles, nous avons laissé à Brazza les empreintes. Elle amène bien. Amen. La fidélité de Dieu. À un certain moment, nous sommes venus au ministère avec toutes les voitures, les quoi. On a perdu, mais on était fidèles. Amen. On savait qu'un jour, Alléluia. Il y a un jour pour sa gloire. Alléluia. Alléluia. Amen. On nous a affecté à Bangui. On a annulé les noms. Les gens s'agitaient. Quand on nous a mis à Bangui, on a enlevé les noms. Alléluia. Amen. Nous, on était là. Mais Dieu, il savait que ma gloire, ce n'est pas à Bangui. Ma gloire, ça sera à Grenoble. À Grenoble, je vois la gloire de Dieu, moi. Je vois comment Dieu peut te dire, assois-toi, prends le bic, prends le cahier, commence à écrire un message. Amen. Alléluia. Amen. Les gens qui sont partis à Bangui, il y a eu la guerre. Ils ont coupé la mission, ils sont partis. Les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Amen. Pendant que les noms sortaient là-bas, moi le Seigneur, quand je dors, la vision que le Seigneur me montrait, la carte de la France. Parce que Dieu, il savait que à la France, en France, il va m'utiliser. Parce que Dieu, il savait, en France, hein, il va guérir mon mari d'une maladie où si c'était à Bangui, si c'était au pays, la silence de foi pour quelqu'un qui ne fume pas, pour quelqu'un qui ne prend pas l'alcool, inexpliqué, inexplicable, Dieu l'a guéri ici dans cette église. Assois-toi. Il y a un jour de gloire pour toi. Que les regards des gens ne te mettent pas dans l'agitation. Nous venons au ministère, chacun avec son jour. La Bible dit, il est le maître des temps et des circonstances. Amen. J'aimerais dire à la femme stérile dans cette salle, même si la ménopause est là, alléluia, Amen. Celui qui met les bébés dans le ventre, il attend le jour de sa gloire. Alléluia. Toi qui es malade, il y a ton jour de gloire. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus encore, on a dit, hein, il est pris encore des jours. Des jours. Des jours. Qui va supporter des jours? Dans les deux jours, monter mes bébés, l'agitation rentre. Dans les deux jours, beaucoup donnent le dos à Dieu. Des jours, les gens cherchent des raccourcis. Des jours, les gens tombent dans l'impudicité parce que le monsieur là, il ne vient pas. Ah, moi, je rentre pour moi là-bas moi-même. Alléluia. Amen. Elle amène bien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La nuit va tomber. Elle amène bien. Alléluia. Dieu est le maître de la nuit. Amen. Les cheveux blancs sont là. Dieu est le maître de toutes les choses. Amen. La ménopause peut-être est déjà là. Moi, je connais quelqu'un dans ce ministère qui a couché sans les trompes. Amen. Moi, je connais quelqu'un dans la Bible
qui a couché dans une âge avancé. Amen. C'est lui le maître des temps et des circonstances. Amen. C'est lui qui connaît les organes. C'est-à-dire, laisse ton problème mûrir. Elle amène bien. Amen. Pour bien manger la mangue, il faut qu'elle soit bien, bien mûre. Laisse que les gens, de la même manière, tu es humilié. De la même manière, hein, que la, c'est-à-dire l'humiliation t'a enfoncé plus pâle que la terre. C'est de la même manière que ta gloire. Que ta gloire. Alléluia. Aujourd'hui, ton problème, hein, tout le monde connaît. Mais c'est tout le monde aussi qui va t'acclamer. C'est tout le monde qui va dire gloire à Dieu. Parce que c'est le jour de gloire. Le jour où le bébé là viendra, ce n'est pas les enfants de Pénina. Mais tes enfants seront Samuel. Samuel est le plus grand prophète de la Bible. Alléluia. Elle amène bien. Vous savez, nous sommes venus à l'ambassade en question. Quelqu'un qui ne voulait pas blesser la place. Non seulement, alléluia, la gloire de Dieu, c'est difficile. Attendre le jour de la gloire, je suis venu te dire, c'est pas facile. Amen. Ou bien que les totems de la maison de ton père te bénissent. Mais si les choses de Dieu, il n'y a pas de facilité là-bas, que personne ne te trouve. Même Jésus, pour racheter le monde, il a payé avec douleur, avec souffrance. À un certain moment, il a eu le pitié de soi, il a dit, Père, est-ce que tu peux enlever cette coupe? Mais si c'est là ta gloire, c'est toujours la gloire. Amen. La gloire de Dieu, alléluia. La gloire de Dieu n'est pas facile à voir. La gloire de Dieu n'est pas facile. Si c'est la petite chose, tu l'auras comme des bouts de pain. Amen. Mais la gloire de Dieu, amen, c'est pas facile. Amen. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes arrivés, il y a quelqu'un aussi qui ne veut pas quitter. Alléluia. Amen. Qui ne veut pas quitter. Il était là. Il a fui avec les papiers. En Belgique, alléluia, si la personne que tu remplaces n'est pas partie, il n'a pas remis les papiers aux affaires étrangères, tu ne peux pas, on ne peut pas t'accréditer. C'est la loi de la diplomatie. Alors le monsieur a fui avec les papiers. Alléluia. Je connais un homme passion. Je connais un monsieur qui a un bon cœur. C'est mon mari. Il était calme. Amen. Elle aimait bien. Amen. Alléluia. Amen. Il était calme. Moi, je ne m'agitais pas. Pourquoi? Parce que moi, ma tête était dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. En ce moment-là, j'étais toujours entre deux avions. Alléluia. Amen. Je ne peux pas te dire que c'est facile. Frère David, c'est pas facile. Attendre la gloire de Dieu. Amen. Moi, j'étais dans deux avions. Je sais que si le Seigneur m'avait laissé à terre, j'allais aussi me murmurer. C'est pas facile. Alléluia. Amen. Le monsieur a fui avec les papiers. Il nous a pris au moins 6 000 euros par mois. Un amen et bien. Et lui, il touchait ça. Alléluia. Amen. C'est après quand le temps de gloire est arrivé, Brazzaville a appelé les ministres, ont appelé les gens, appelé, ils ont dit même hein, à l'ambassadeur. Alléluia. Aujourd'hui, je bénis le Seigneur. Je dis, c'était le temps de gloire. Amen. Alléluia. Pourquoi murmurer? Est-ce que le murmure peut changer un problème? Est-ce que la distraction? Alléluia. Je ne peux pas murmurer. Alléluia. Toi qui es malade, il s'appelle Jéhovah Rapha. Le temps de gloire arrive pour toi. Alléluia. J'ai dit à une personne, Jésus est en chemin. Amen. Alléluia. Amen. Il n'était pas resté là-bas, là où il était en train de faire sa campagne d'évangélisation. Alléluia. Mais il était en train de venir vers Lazare. Amen. Bien que Lazare était pourri, Amen, mais Jésus venait vers Lazare. Alléluia. Je voulais te dire, bien que ton problème est pourri aux yeux des gens, ta maladie est devenue visible, la perte de soins est devenue visible, Alléluia, ta souffrance est devenue visible, mais j'aimerais te dire, Jésus en chemin. Alléluia. Il arrive vers toi. Il avance et il arrivera certainement. Alléluia. Elle amène bien. Amen. Laisse le monde parler. Laisse que ton problème soit connu. Jesus. Laisse que tout le monde, quand on parle l'exemple de quelque chose, l'exemple des chômeurs. Oui. C'est-à-dire les juges, ils savent déjà, les chômeurs dans cette classe, dans cette salle, c'est tel. Laisse-les. Amen.
Quand on parle des malades, ils disent déjà, oh, le malade dans cette salle, laissez-les voir. C'est de la même manière qu'ils feront la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Quand on parle des problèmes des célibats des malades, ils commencent à regarder ton mari. C'est le plus grand petit de Grenoble. Laissez-les regarder. Alléluia. Le jour où il va commencer à dire, Chinda, c'est ce jour-là. C'est les mêmes personnes. Alléluia. Qui vont t'acclamer. Alléluia. Un amen est bien. Amen. Jésus est en chemin. Il arrive. Alléluia. J'aimerais te rassurer ce soir. Il ne vient jamais en retard. Alléluia. Jamais. Alléluia. Amen. Il arrive à l'heure. Pile poil, il est là. Alléluia. Oh non, tu ne m'as pas compris. Amen. Jésus arrive à l'heure. Amen. L'heure où il a prévu ton bébé, c'est à cette heure-là que tu l'auras. L'heure où il a prévu ton éclosion. Tu vas éclore à cette heure. Amen. Que personne ne te bouge. Ne promène pas les regards de gauche à droite. Amen. Reste fait. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais lire. Si en ce moment-là, alléluia, amen. Lazare est pour lui mort. Et amen et bien. On a mis Lazare au tombeau au premier jour. A dit à la personne encore 4 jours. Encore 4 jours, c'est beaucoup. Alléluia. Alléluia. Les yeux de ses soeurs étaient remplis de larmes. Hé hey, Jésus, comment il peut me décevoir comme ça? Je te dis, Jésus ne déçoit jamais. Amen. En lui, il n'y a point de déception. En lui, il n'y a point de retard. Si tu es encore là, il est sur le chemin. Amen. Il est en train d'avancer. Amen. Au pas des géants. Amen. Il arrive vers toi. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Je lis le verset 30. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré, les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolait, l'ayant vu se lever promptement et sortir, la suivir disant, elle va au sépulcre pleurer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est le moment de s'élever. C'est pas le moment de se lamenter. C'est pas le moment de chercher le bouc émissaire. Oh, c'est les gens de la salle qui m'ont sorcellé. Oh, j'ai reçu une flèche. Alléluia. Amen. C'est pas ce moment-là. C'est le moment de se lever. Aller à la rencontre de Jésus. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. C'est le moment de ne pas dormir. Hein. Tu dors de 7h à 7h. Tu travailles de 8h à 18h. Tu dors de minuit à 5h. Ce n'est pas le moment de dormir. C'est le moment de se lever. Aller à la rencontre de Jésus. Amen. Marie, quand elle a entendu, Jésus est là-bas. Alléluia. Il s'est levé. Elle s'est levée, pardon. Elle est partie chercher Jésus. Le problème ne peut pas être plus lourd que ta prière. Amen. Le problème ne peut pas être lourd que ta vie de prière. Amen. Non, ce Dieu-là, il change les circonstances. Alléluia. Et les temps. Amen. Il en a capable. Alléluia. Amen. On dit qu'il s'éleva. Il ne s'éleva pas comme tout le monde. Il y a, vous savez, quand je vais arrêter la prière, vous allez voir les gens qui vont s'élever promptement et les gens qui vont s'étirer. On dit, Marie s'éleva promptement. Amen. Un amen est bien. Amen. C'est d'aller à la rencontre de Jésus. Aller à la rencontre de Jésus, c'est dans le jeûne, c'est dans la prière, c'est dans la quarantaine, c'est dans la persévérance. Le problème ne peut pas m'engloutir. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Et quand elle arrive au verset 32, qu'est-ce qu'on nous dit? Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Alléluia. Amen. Si nous continuons à lire, Marie dit, mais moi je sais. Je sais que si toi tu dis une parole, mon frère hein, va s'élever, mon frère va se ressusciter. Amen. 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 Bien. Alléluia. J'aimerais dire à une personne ici, alléluia. Ton attitude. Elle amène bien. Marie avait l'attitude de la foi. Marie s'est tombée aux yeux de Jésus.
Alléluia. Vous savez, juste l'attitude de Jésus a fait pleurer Marie. Lisez le verset 33. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit. Faire frémir Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon problème à moi, il faut qu'on me pousse comme ça. Prie, jeûne, fais ceci. Alléluia. Non. Ce soir, nous avons besoin d'une maman, d'un papa, par son cri, par la manière dont elle va prier aujourd'hui dans cette salle. Elle va frémir le cœur de Jésus et Jésus va te dire, où l'avez-vous mis? Amen. C'est l'attitude. Nous allons lire. Jésus le voyant pleurer et elle et les Juifs qui étaient venus avec elle frémit en son esprit et lui et fut tout ému. Elle dit, où l'avez-vous mis? C'est la manière dont toi-même tu prends ton problème. Jésus a dit, Marie, en train de pleurer son frère, Marie, Lazare est pourri, il y a les, ton problème est pourri, il y a les asticots. Mais toi, va à la rencontre de Jésus. Parce que c'est lui qui appelle à l'existence à ce qui n'existe pas. Alléluia. Jésus a vu la foi de Marie. Jésus a vu les larmes de Marie. Alléluia. Jésus a vu la phrase que Marie a dit, mais moi je sais, si toi tu dis une parole, mon frère reviendra à la vie. Amen. Alléluia. Amen. Et regarde comment Jésus lui dit. Où l'avez-vous mis? C'est toi. C'est la prière d'aujourd'hui. C'est ta prière. C'est ce que tu vas dire au Seigneur aujourd'hui. Le Seigneur va te dire où est ta santé. Il va dire à la sorcellerie de la maison de ton père, où est la santé de mon frère? Où est la santé de ce fils d'Abraham? Moi, j'ai payé pour elle. Un amen et pied. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, une personne, par ses prières, doit faire frémir Jésus. Une parole doit sortir de la bouche de Jésus à cause de ta fidélité. Même si ça fait mal. Alléluia. Amen. Moi, je dis au Seigneur, là où je suis là, je n'ai pas de marche arrière à faire. Pour aller où? Un jour, on m'a invité dans une église. Alléluia. Amen. Un jour, on m'a invité dans une église. Je vais à l'église là-bas. Je dis, mais comme si j'étais à la maternelle. Pardon, excusez-moi. Hein. Il y a des églises hein, qui prêchent bien. Mais ce que j'avais vu dans l'église, là, pas dans vos églises. C'était au Congo. Mais ce que j'ai vu ce jour-là, je dis, mais pourquoi je fais des marches arrière comme ça? Amen. Alléluia. Amen. Un amen et bien. Amen. Pourquoi moi je fais des marches arrière? Un amen et bien. Oh. Amen. Alléluia. Amen. Dieu, j'ai dit au Seigneur, que tu fasses, moi je vais rester au combat. Que tu ne fasses pas, je ne bougerai pas. Je ne suis pas venu pour je ne sais pas qui, je suis venu pour moi, pour ma maison. Alléluia. Amen. Si tu fais, je vais rester. Si tu ne fais pas, moi aussi, je suis là avec toi. Amen. Voilà, Dieu, il voit ma fidélité. Ce n'est pas à cause de ce qu'il fait que je suis là, mais je suis là parce que je crois en lui. Amen. Je suis là. C'est-à-dire, même moi, même s'il me manque des choses, même s'il me manque quoi que ce soit, même s'il me manque l'argent, même s'il me manque quoi, mais je crois en ce Dieu-là. Amen. Tous les jours, je lui demande la grâce de rester. Je vais aller où? Un amen et bien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Marc, Jésus a vu la fidélité de cette femme. Il y en a qui adorent le Seigneur seulement quand il va bien. Quand ça ne va pas, il ne vient plus à la prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, Marie a couru vers Jésus quand c'était pourri, quand ça n'allait pas bien. Un amen et bien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La gloire de Dieu, ce n'est pas facile pour le voir. Ce n'est pas tout le monde aussi qui voit la gloire de Dieu. Amen. Et au verset 39, Jésus dit, non, cette femme-là est fidèle. Ce n'est pas Jésus qui est venu comme ça. Mais c'est ce que la dame exprimait qui a mené la voix de Jésus de faire sortir une parole. Amen. Qu'est-ce que tu dis à Dieu devant ton problème?
Je ne sais même pas si tu me comprends. Je ne sais même pas si tu es là. Un amen est bien. Je lis le verset 39. Jésus dit, ôtez la pierre. Ton bébé est dans un tombeau quelque part. Ta santé est quelque part. Ton mariage est quelque part. C'est ta façon. C'est ta marche. C'est ta façon d'aller te lever promptement. Courir vers lui. Tu dis, Seigneur, moi je crois. Si toi tu dis seulement une parole, ta gloire va détendre sur lui. Alléluia. Amen. Moi je ne baisse pas les bras. J'attends l'accomplissement de la gloire de Dieu dans ma vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même ici, les quatre jours sont là. Moi, je suis là. J'attends que le verset 43 puisse s'accomplir dans ma vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es en train de souffrir, je le sais. Tu es dans la crainte. Tu es dans le besoin, je le sais. Aujourd'hui, le Seigneur doit parler. Amen. Aujourd'hui, nous allons tous nous mettre en rang. Nous allons aller vers Jésus-Christ. Nous allons faire frémir Jésus par la prière que nous allons faire. Moi, je suis de voix mal. Je vois des gens qui ont des problèmes dans cette salle. Mais ils peuvent faire 2 mois alors que sa maison, il y a des asticots. Des gens qui ont des problèmes, qui restent à la maison. Moi, je me dis, mais... Hey, là, tu es qui pour ta maison? Un amen est bien. Il y a Dieu ici dans cette salle. Amen. Je suis témoin vivant. Moi et mes enfants, nous sommes venus dans ce ministère, ici à Grenoble, dans la malédiction. Mais je vois tous les jours ce que Dieu est en train de faire. Amen. Personne ne peut m'enseigner quelque chose. Je sais que Christ est vivant. Amen. Christ peut changer la malédiction en bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Un amen est bien. Amen. Je suis en fait parce que Célestine a eu son bac. Un amen est bien. Tu vas me dire qu'il n'y a pas Dieu ici. Parce que toi, tu ne sais pas te lever promptement. Tu ne sais pas comment on va vers le Seigneur pour changer son histoire. Tu peux changer ton histoire. Moi, je suis venu ici. Mon mari était malade dans la révélation. Le Seigneur m'a montré l'organe malade. Nous sommes partis à l'hôpital. Le médecin a dit oui, c'est ça. On l'a soigné. Il y a des gens qui sont en train de mourir ici de cirrhose de foie. Qu'est-ce que tu fais encore? Dis-moi ce que tu veux. Alléluia. Apprends à parler à Jésus. Apprends à prier. Apprends à chercher Dieu. Et amen est bien. Alléluia. Alléluia. Tous les enfants que moi je suis venu trouver, que j'ai amené ici à Grenoble, je vois chacun en train de prendre la direction. Tu vas dire qu'il n'y a pas Dieu ici, c'est toi qui ne connais pas le chercher. Quelqu'un qui a un problème, la solution c'est où? C'est à la salle. On rencontre Jésus où? Dans la salle. Alléluia. Tu ne sais pas le chemin de la salle. Tu ne sais pas comment on s'assoit à la salle. Tu ne sais pas comment on s'élève à la salle. Alléluia. Amen. Tu veux quoi? J'ai l'habitude de dire, la vie c'est un choix. Moi j'ai choisi le choix, alléluia, d'amener ma famille à l'excellence. Un amen est bien. Amen. J'ai souffert dans le monde, je ne peux pas échouer au combat. Alléluia, amen. Je ne peux pas échouer au combat. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Je ne suis pas de la race des gens qui échouent au combat. Il y a des gens qui sont venus au combat avec leur malédiction, leurs problèmes. Ils se rebellent avec leurs problèmes. Ils partent avec leurs problèmes. Mais tu vas aller mourir avec le problème et tu ne verras pas Dieu. Et amène bien. Amen. Le problème, c'est la disposition du cœur. Ouvre ton cœur. Commence à parler à Jésus. Mets-toi à genoux. Je suis venu avec les sirènes, avec les liens de ma famille, avec les serpents, avec les caïmans, avec les crocodiles. Mais je suis là. Alléluia. Les regards des gens est arrivé. Que les gens disent, je ne suis pas là. Mais si le ciel est dit, ce que tu fais, c'est bon. Moi, je suis là. Amen. Ça ne me regarde pas. Quand je pleure pour mes enfants, tu n'es pas là. Quand mes bébés se mettent à pleurer, toi, tu n'es pas là. Si toi, tu veux que tes bébés pleurent, c'est bon. Alléluia. Amen. J'aimerais dire une dernière parole. Nous sommes en vie. Nous laissons les enfants
dans le tombeau. Au lieu d'aller remuer Jésus, au lieu d'aller remuer Jésus, les époux et les épouses ils sont dans les tombeaux. Nous, on est là, en train de faire quelque chose. Ton cri à toi peut dire à Jésus, peut pousser la main de Jésus, pousser une parole peut sortir. Jésus va dire, où l'avez-vous mis? C'est toi. Le problème ici, c'est toi. Le problème ici, c'est toi. La gloire est là. Un amen est bien. Amen. La gloire est là. Alléluia. Amen. Là où je suis, la sorcellerie de ma famille n'a pas de droit sur mes enfants ni sur moi. Parce que tout ce que nous sommes, c'est Dieu qui nous a donné. Tout ce qu'on a, c'est le Seigneur qui nous a donné. Les diplômes des enfants, c'est le Seigneur qui donne. Tu vas réclamer quoi? Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, bien-aimé. Acclame le roi des rois. Acclame Jésus, bien-aimé. Alléluia. Je pensais qu'il y avait une personne qui allait se lever prompt. Ah, Jésus. Et, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Commence à dire merci à Dieu, nous allons prier. Seigneur, sois élevé, sois béni Jésus, merci Yahweh, pour cette parole riche, merci Papa, parce que tu es venu nous parler Yahweh, chaque fois que tu viens Papa, tu viens sauver Yahweh, réveille au-dedans de nous, oh Yahweh, sois élevé. Quand on va la rencontre, Yesu de l'issouillé. Commence à dire merci à Dieu. Merci, merci Seigneur. Merci pour cette soirée merveilleuse. Merci pour cette soirée excellente. Yahweh, que tu as préparé pour nous, Yahweh. Oh Jésus, tu as venu sauver Yahweh. Une bonne graine encore dedans de nous. Venu donner le réveil spirituel. Sois élevé. Bien aimé, dis merci à Jésus. Merci pour cette parole que nous avons écoutée. Merci pour cette soirée riche. Cette soirée riche. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Qui pouvait me parler comme ça? Qui pouvait me réveiller comme ça, Yahweh? Qui pouvait, Yahweh, Jésus? Oh Jésus, me fais amen. Ce soir, nous allons dans la prière. Nous allons partir dans la prière et rencontrer Jésus. Alléluia. Marie l'a rencontré, il était à la porte de la ville. Alléluia. Amen. Elle amène les pieds. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier 15 minutes. Nous allons prier. Amen. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia. Tiens-moi pour ma vie. Tiens-moi, Jésus, ma santé dans le tombeau.
mes enfants sont dans le tombeau. Oh Jésus, mon avenir est dans le tombeau. Mon travail est dans le tombeau. Tiens mon Yahweh, tiens mon âme de Galilée. Tiens mon pour moi. Tiens mon tout ce qu'elle t'a dans le tombeau. Tiens mon Jésus, Jésus, Jésus. Tiens mon Yahweh, tiens mon. Mon séjour est dans le tombeau, Yahweh. Mon séjour est dans le tombeau. Jésus, mon mariage est dans le tombeau. Mes diplômes sont dans le tombeau. Yahweh, mon avenir est dans le tombeau. Tiens mon l'âme de Galilée. Jésus, je t'en prie. Le tout, il y a au moins une chose dans le tombeau. Crie à Jésus cette fois. Crie à Jésus. Crie à Jésus. Crie à Jésus. Il est prêt. Il est disposé pour nous dire où on a mis, où est cette chose. Mais dis à lui, va tout dans le tombeau. Yahweh, j'ai ta pitié. J'ai ta pitié. J'ai ta pitié. J'ai ta pitié. Je suis une femme garçon. N'a pas encore monté. Un jour, Ruth avait, je ne sais pas, 3 ans, 4 ans, je ne me rappelle plus. Nous sommes partis avec papa. Alléluia. C'était l'hiver. Elle avait déjà grandi. Elle ne marchait pas. Nous sommes partis avec papa à Zigbourg. Je me rappelle, il y avait la neige, mais c'était la montagne. Avec un enfant qui avait grandi, qui ne marchait pas. Elle amène bien. Amen. On est parti là-bas, on pleurait, on part. C'est-à-dire, si je me fatigue, je donne à papa. Papa, il se fatigue, il me donne. Je marche, je tombe, je me relève. On descend de la montagne, là, l'enfant s'élève. Alléluia. Il y a prié. Je vais te donner encore un deuxième exemple. Un jour, ma maman, elle m'avait mis cette chose-là qui me faisait faire pipi au lit. Alléluia. Elle est venue un jour le matin comme ça. Moi, j'ai voulu pleurer et prier. Mon mari a dit non, tu ne pries pas, c'est moi qui fais la prière. Mon mari a fait la prière, ma mère a fait pipi là devant elle. Alléluia, Jésus. Ce que tu fais là, tu joues avec ta vie. Jésus. C'est pas moi. Moi, je veux voir quelqu'un engagé. Depuis que tu dors là, tu as gagné, tu dors, tu n'as rien, tu n'as pas l'argent, tu n'as pas la chose que tu cherches, tu dors debout. Elle amène bien. Ce n'est pas les politesses. Je suis fâché. Alléluia. Parce que vous ne vous n'avancez pas. Jésus. Il y a l'écart entre moi et vous. Jésus. Alors que je vous donne tout. Je vous enseigne tout. Alléluia. Amen. On doit prier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hey, Yahweh, hey, Yahweh, maman. Hey, Yahweh, hey, Yahweh, maman. Mama, yo,
avait sorti Jésus. Mon mariage est dans la tente. Mes enfants sont dans la tente. Si Dieu se met à ta main.
Éternel des amis. Seigneur, tu nous avais dit en nous envoyant ici, tu nous as dit que je vous ai fait sortir des choses de Bateke. Allez-y, aidez les autres à faire sortir. Seigneur Dieu d'Israël, aussi longtemps que tu nous as oint, aussi longtemps que nous te représentons ici dans ce siège, que la pierre qui cache la vie de mon frère, de ma soeur, de ma fille, de mon fils, soit ôté maintenant dans le nom de Jésus. Je t'appelle et sors du tombeau au nom de Jésus. Reçois la vie au nom de Jésus. Reçois la vie maintenant au nom de Jésus. Reçois la vie maintenant au nom de Jésus. La vie arrive vers toi. La vie arrive vers toi. La Bible déclare qu'il a compris la parole de ses serviteurs. Que la vie arrive vers toi. Alléluia. Que la vie arrive vers toi. Alléluia. Reçois la vie en abondance. Reçois. Tu vis maintenant. Alléluia. Tu vis maintenant. Alléluia. Tes affaires vivent maintenant. Alléluia. Tes entrailles vivent maintenant. Alléluia. Ton mariage vit maintenant. Alléluia. Ta santé vit maintenant. Alléluia. Tout ce qui est à toi vit maintenant. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Tu as la vie maintenant. Alléluia. Tu as la vie maintenant. Alléluia. Tu as la vie maintenant. Alléluia. La vie te pénètre maintenant. Alléluia.
La vie que tu as prise, si tu vas l'amener dans ta maison, tu vas amener la vie dans tes enfants. Tu vas amener la vie dans ta maison, alléluia, dans tes affaires, alléluia, que tes entrailles puissent recevoir la vie, alléluia, que le travail de tes mains puisse recevoir, alléluia, la vie, alléluia, que tout ce qui est à toi soit vie maintenant, alléluia, que tout ce qu'on avait volé soit vie maintenant, alléluia, que le mariage soit vie maintenant, alléluia, que le travail soit vie, alléluia, que tes organes reçoivent la vie, alléluia, maintenant, que tout soit vie maintenant, alléluia, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que le sang de Jésus puisse sceller cette vie en toi. Que le sang de Jésus puisse sceller cette vie en toi. Que le sang de Jésus, l'onction de la guérison descend vers toi. Yandabashine de reçois la vie. La vie, l'onction de la réussite arrive jusqu'à toi. Que vos vies soient scellées dans le sang de Jésus. Que nos vies à nous tous soient scellées dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Prends ton offrande, viens sceller ce que tu as eu en disant au Seigneur, ce qui est scellé, est scellé. Demain, nous commençons à 19h30, comme on a dit. Alléluia. Amen. Nous venons à 19h30 en état de jeûne. Amen. Amen. Parce que nous allons faire des prières fortes. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci à toi. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Pendant que je suis en train de chanter, je suis en train d'écouter une parole qui dit: tout ce que tu demandes dans la prière, tu l'obtiendras. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Tout ce que tu chercheras dans la prière, tu vas l'avoir. Merci Jésus. Sois une femme de prière. Amen. Sois un homme de prière. Amen. Tu l'obtiendras. Amen. Tu l'obtiens. Amen. Merci Jésus. Père, nous te bénissons pour ce que tu as fait ce soir. Que ton sang descende dans la vie de mon frère et de ma soeur. Seigneur, je t'en supplie. Que ton sang les protège, Jésus. Seigneur, que ton sang les protège, Yahweh. Seigneur, que ton sang les protège, Jésus. Que c'est mon Dieu, mon roi. Que tout ce qu'ils ont eu ici, Seigneur Jésus, qu'ils vivent, qu'ils mangent, Seigneur, qu'ils vivent cela, Seigneur. Que personne ne perde ce qu'il a eu ce soir, Jésus. Éternel des armées. Merci parce que tu nous dis: les tombeaux sont vides. Amen. Les tombeaux sont vides maintenant. Les tombeaux sont vides maintenant. Jésus. Les tombeaux sont vides maintenant. Merci 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 Jésus. Merci Jésus. Parce que tu m'as donné la parole. Alléluia. Tu as parlé au travers de ma bouche. Tu m'as choisi comme simple canal pour me bénir, moi, mon frère et ma soeur. Jésus, nous te sommes infiniment reconnaissants.
Seigneur, maintenant qu'ils vont partir, que nous allons partir tous. Tu as dit sur notre route, nous que tu as rachetés, que tu as fait sortir des tombeaux. Qu'il n'y aura point de bêtes féroces sur notre route. Que ton sang tapisse nos routes. Que les anges nous escortent jusqu'à bon port, Seigneur. Que ce que nous avons eu ici, que nous bénéficions de ça, Jésus. Je t'en supplie, Seigneur. Seigneur, nous voulons, Éternel, continuer à voir ta gloire. Jésus, ouvre nos yeux pour voir ta gloire maintenant. Sois béni pour ce que tu vas faire. Merci Jésus pour les grandes choses. Seigneur, merci pour les écailles que tu es en train de faire tomber des yeux, Seigneur. Merci Jésus, merci Seigneur. Merci Yahweh. Reçois la gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.